Prions le Seigneur. Tout le monde est mon. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions encore ce matin parce que c'est ta grâce à notre endroit que nous a donné le privilège non seulement d'être en vie, mais aussi d'être dans ta maison. Seigneur, nous voulons prendre cette opportunité pour nous approcher davantage de toi et marcher davantage avec toi, notre Créateur, parce que ta présence nous rassure à tout moment, Père. Bénis tes enfants et reçois toute l'adoration qui est montée vers toi ce matin. Viens, Seigneur Jésus, prends mon corps pendant ce peu de temps et parle au travers de mon corps. Puis prends les oreilles et les cœurs de tes enfants pour entendre et pour recevoir la parole. Nous croyons que tu nous as rassemblés pour nous accorder tes bénédictions. Que rien ne puisse nous faire obstacle à recevoir ces bénédictions, Seigneur. Et quand nous aurons terminé la réunion et que nous aurons été bénis, nous te serons infiniment reconnaissants. Bénis chaque chose pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 1 Corinthiens 14, verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Que Dieu bénisse la toute sa parole. Veuillez vous asseoir. Alors, nous allons devoir parler, pas pour terminer, mais dire les choses peut-être plus essentielles sur notre absolu, lancé du Seigneur par William Branham, sur le point de l'ordre dans l'Église. Dans sa dernière section, l'ordre de l'Église, là, je voudrais demander à ce que si vous appelez cette prédication l'ordre de l'Église, que Branham a prêché deux fois en 1958 et en 1963. J'aimerais bien que vous puissiez relire encore cela. Parce qu'il y a là-dedans des choses que nous ne pourrions pas dire ici, peut-être. Mais que vous pouvez vous-même découvrir en lisant et en écoutant ces prédications-là, l'ordre de l'Église. Il faut m'a dit, lisez et relisez. Même si vous l'aviez déjà lu une fois, ou deux fois, mais je vous prie encore de bien vouloir relire cela. Alors, nous étions en train de dire que notre absolu aujourd'hui, et normalement, c'est ce qui devait être l'absolu de tous, du monde entier, parce que le monde entier a été créé par la parole et tout a été créé au moyen de la parole. Alors notre absolu qui devait être aussi l'absolu d'ailleurs du monde entier, c'est l'ainsi dit le Seigneur qui a été prononcé par le prophète de Dieu William Marion Branham.
Ile nabi wa Mungu William Aaron Branham alisema. Parce que dans tous les âges. Njo mubizazi biote. Dieu a traité avec les hommes au moyen des prophètes. Mungu alianza kutumika na bantu bake kupitia nabi. Dans le jardin d'Eden. Tokia mbubustani ya Eden. Dieu était son propre prophète. Mungu njo alikuwa nabi wake mwenyewe. Lorsque il parlait à Adam et Eve. Wakati alianza kushuka na kuonesha Adam na Eva habari. Amen. Amen. Puis après ça, na kisha Eden, il a commencé à utiliser maintenant les êtres humains. Ananja kuingia mubantu banakuwa ba prophète bake. C'est comme ça qu'il a utilisé Noé. Njo vile alimubebaka Noé. Il a utilisé Enoch. Anabeba Enoch. Il a utilisé beaucoup de prophètes. Na anabeba l'Ancien Testament. Ba prophète ba mingi mwagano ya zamani. Il a continué à utiliser les prophètes jusqu'à là le Nouveau Testament. Na kufika paka mwagano mupya Mungu anaendelea na kutumikisha ba nabii. Même la Bible que nous lisons. Ata Bible tukuna soma a été écrite par les prophètes. Bale bari anjika ni banabii ba Mungu. Vrai ou faux? Aina vile. C'est pour cela que Dieu a toujours traité avec les prophètes et il continue à le faire encore aujourd'hui à la fin des temps. Ni Dieu a ile Mungu arianza kutumika na ba prophètes na leo yeye unaendelea na kutumika na ba prophètes. Et chaque fois qu'un prophète venait, na kila wakati nabii Mungu aranja kuya, il ne parlait pas de lui-même. Ashikuanja kusema bintu bya kutoka kuakiri yake. Il ne parlait pas de son propre chef. Ashikuanja kusema njui ya bila aranja kuwaza. Mais il parlait toujours de la part de Dieu. Lakini aranja kusema bintu bile Mungu aranja kumwambia aseme. C'est ainsi qu'il pouvait dire ainsi parle l'Éternel. Njo hivi prophète wa Mungu aweza kuambia bantu hivi Mungu anasema. Pas ainsi moi je dis. Hapana hivi mie prophète mimi nasema. Mais ainsi parle l'Éternel. Lakini hivi Bwana Mungu anasema. Même s'il arrivait qu'il dise quelque chose par lui-même, ataka maule prophète aliweza kusema kintu kya kutoka kwa yeye mwenyewe. Comme nous avons vu Paul le faire. Vile tuliona Paul anambia ba Korinto. À un moment donné, Paul pouvait dire. Wakati mmoja fulani Paul aliweza kusema. Ici c'est pas le Seigneur, c'est moi. Hapa aina Bwana ni mie Paul. Malgré cela, ata vile yeye. On ne pouvait pas contester contre le prophète. Hakuna mtu aliweza kubishana na sauti ya kutoka mkinywa kya prophète wa Mungu. C'est pourquoi Paul le disait aux Corinthiens. Ndio maana Paul aranza kuambia ba Korinto. Nos églises, nous n'avons pas l'esprit de contestation. Atukalake na ile roho ya kubishana na sauti ya Mungu. Amen. Amen. Cela doit vous enlever les idées. Na ile inapaswa kukutosha ile maakili. Quand vous lisez le message de Frère Branham. Ya kusema wakati unaisoma ujumbe wa ndugu Branham. De penser que la seule chose que vous devez prendre c'est là où seulement il a dit ainsi de le Seigneur. Ya kuwaza sema kiawe kubeba tu ni pale anasema hivi Bwana anasema. Là où il n'a pas dit ainsi de le Seigneur, c'est lui vous pouvez laisser. Asema fashile ashikusema hivi Bwana anasema unaweza kuiacha. Non, vous n'avez pas le droit de faire cela. Hapana, hauna na ruhusa ya kubeba vingine na kuacha vingine. Parce que même là où Paul pouvait dire ici ce n'est pas le Seigneur, c'est moi. Atapa fashile Paul aweza kusema hapa yana Mungu ni mimi Paul. Cela est inscrit dans la Bible. Kitu kunaisoma ndani ya Biblia. Et la Bible c'est la parole de Dieu d'un bout à l'autre. Na Bible hii ni sauti ya kutoka kwa Mungu tokea kumwanzo mpaka kumwisho. Vous ne pouvez rien retirer là-dedans. Awezi kutosha mo kintu. Donc quand bien même William Branham ne peut pas dire ainsi de le Seigneur. Atama fashile William Branham asiseme hivi Bwana anasema. Vous retenez une chose. Wewe ushisabu hiki. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema. Un prophète a été fait de manière à ne prononcer que les paroles de Dieu. Prophète wa Mungu Mungu alimuumba mnamna kusema bile biote atasema ni Mungu tu wewe unasema. J'aimerais vous entendre dire amen. Ninapenda nishikie amen yenu pale. Amen. Amen. Donc, manake, jusqu'à aujourd'hui, Dieu nous a promis un prophète dans Malachie 4. Kufika paka leo Mungu anatulaka nabii moyo mu Malakii. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Muone nitamtumia Elia nabii. Et quand ce prophète là arrive, na wakati yule prophète anafika, il vient aussi avec l'ancien dit le Seigneur. Eko nafika kwetu na hivi Bwana anasema. Amen. Amen. Il vient en nous. Anakuja kwetu. Avec l'ancien dit le Seigneur. Na hivi Bwana Mungu anasema. Et quand il vient en nous avec l'ancien dit le Seigneur. Wakati anakuja kwetu na hivi Bwana Mungu anasema njoo leo. Cela devient notre absolu. Na kila anasema njoo fashi tunapaswa kubambia. L'absolu de l'église. Pale kanisa inapaswa kushimamia. L'absolu de tous les croyants. Pale baminifu bote banapaswa kushimamia. Mon absolu et votre absolu. Fashi ya mimi kushimamia na fashi ya wewe kushimamia. Si c'est votre absolu, veuillez dire amen. Kama njoo ya wewe kushimamia sema amen. Et j'aimerais encore vous insister pour dire. Na mina pendela ni kaze mkusema. Quand Élie de Malachie 4 arrive.
Wakati Elia wa Malakia ine anafika, le Seigneur, na hivi Bwana anasema, il est le dernier messager. Elia njo mujumbe wa mwisho. Il n'aura pas de successeur après. Asta kuya na wakumukombola kisha ye kwenda. Il n'aura pas un huitième après lui. Akuta kuya wa munane kisha ye. C'est lui qui clôture la dispensation des gentils. Ye njo anaisha kizazi kya bantu mataifa. Après lui, il n'y a plus de prophète, il y a seulement l'enlèvement de l'église. Kisha Branham akuna prophète mwingine atakuya ni kunyanuliwa tu kwa kanisa kutafanika. Parce que ce message est celui qui donne la foi de l'enlèvement. Njo ujumbe ya Branham njo inapatia bantu bale banayamini imani ya kwenda munyanuliwa. Si vous le croyez, dites amen. Kama unayamini sema amen. Tout ce que je vous dis là, ce sont des paragraphes que je peux vous lire. Yote nuna miambia hapa ni bintu nabi anasemba mimi naweza kumisomea abio. J'en parle parce que vous êtes, j'ai confiance que vous me faites confiance que je vous répète ce que dit le message. Niko na miambia abio njoo munanitumania sema bino na miambia ni ujumbe. J'aimerais lire juste une seule chose dans question et réponse du 12 janvier 61. Ntasoma tu fashu moya mumaulizo na majibu ya 61. Paragraphe 391. 391. Frère Branham dit ceci. Donc Branham anasema hivi. Frère Branham dit. Donc Branham anasema. Voici ce qu'il dit. Mone kile Donc Branham anasema. Il dit par contre. Anasema kwa lakini. Dès mon enfance, j'ai toujours su qu'il existait un Dieu. Et je savais que quelque chose était produit dans ma vie. Et ça, c'est incontestable. Mais permettez-moi de dire ceci. Il viendra un message. Suivez bien le langage de Frère Branham. Mais permettez-moi de dire ceci. Il viendra un message. Et il viendra un messager. C'est là aussi vous ne faites pas attention. Vous allez aller chercher un successeur. Vous irez chercher un huitième messager. Mais écoutez le langage du prophète. Permettez-moi de dire ceci. Il viendra un message. Et il viendra un messager. Je crois que s'il s'agit d'un homme, ce sera quelqu'un qui viendra après moi. Vous voyez? Frère Branham a dit que quelqu'un viendra après lui. Avec un message. Na ujumbe. Un messager. Mujumbe wa kuleta ujumbe. Et si Frère Branham s'était arrêté là, sasa, kama ndugu Branham alishimamia tu pale, alors on aurait droit à avoir des messagers après lui. Il dit, je crois que s'il s'agit d'un homme, anasema, kama ni mtu, ce sera quelqu'un qui viendra après moi. Itakuwa mtu atakuya kisha mimi. Voyez, ce sera. Non. Mais, lakini, ce message que je prêche hii ujumbe niko na mihubiri est le vrai message de notre jour. Jo ujumbe bya kweli ya siku yetu. Et c'est le dernier message. Nani ujumbe ya mwisho. Donc qu'est-ce qu'il vient de faire? Branham anatokea kufanya nini? Reprenons. Tuanzulule. Je reprenons encore. Voyez, mais permettez-moi de dire ceci. Il viendra un message. Kutakuya ujumbe. Il viendra un messager. Na kutakuya muleta ile ujumbe. Je crois que s'il s'agit d'un homme, mina kama ni mtu, ce sera quelqu'un qui viendra après moi. Ni mtu atakuya kisha mimi Branham kweli. S'il s'arrêtait là, sasa kama Branham alisimamia tu mkusema vile, quelqu'un doit venir avec un autre message. Kusema mtu mwingine atakuya na habari nyingine. Un autre messager doit venir. Wa kuleta ujumbe mwingine atakuya. Na il continue. Anaendelea na kusema. Il dit, anasema, voyez, munaona, ce sera trois points. Atakuya. Mais lakini, ce message que moi, Branham, je prêche ujumbe mi Branham ni una miubiri est le vrai message de notre jour. Jo ujumbe ya kweli ya siku yetu. Et c'est le dernier message. Na njo ujumbe ya mwisho.
Mais je crie Amen. Je n'entends pas si Amen. Si vous ne dites pas Amen, vous êtes suspect. Comme vous savez, Amen. Donc vous croyez encore à un successeur. Vous croyez à un ancien messager. Qui viendra avec un autre message. Mais frère Anam dit. Mais ce message que moi je prêche. Est le vrai message de notre jour. Et c'est le dernier message. Donc si quelqu'un d'autre vient avec un message, il n'a pas de place. Ce message là n'a pas de place. Parce que celui que frère Branham a prêché, il est comment? C'est le dernier message. Vous direz, mais s'il se l'est, pourquoi il a commencé par dire ça? Un prophète est fait de manière yakuka yakobantu. Un prophète, mungu na mumba muna mna kusema, il peut dribbler les gens. Comme ça, wakupita pita la foi nini? Que celui qui va traverser la ligne de démarcation la traverse. C'est pourquoi la même Bible dit. Je vois la Bible, moi, moi, nasema. Je sais qu'Elie doit venir. Mina yo asema Elia atakuya. Mais rétablir toute chose. Na kurudisha kintu. Mais je vous dis qu'Elie est déjà venu. Lakini mimi nimeambia sema Elia anashakuya. Vous voyez son langage là. Tunaona ile na. Oh, si peut dire amen. Na naweza kusema amen. Dieu a son langage. Les prophètes ont leur langage. Anabii bao na namna yake kusema. Alors, vous devez comprendre le langage du prophète. Il dit, et c'est le dernier message. Vous voyez ce que je suis en train de faire là, frère. Après avoir dit ça, il dit, je vous place, vous. Pas les autres. Je vous place vous dans la même position que moi. Oh, est-ce que vous, je peux entendre votre amant. Vous qui suivez ce message, je vous place dans la même position que moi. Pour vous, vous n'aurez pas quelqu'un d'autre. Un autre messager. Avec un autre message. Mais je vous place dans la même position que moi. Puisque vous en êtes partie intégrante autant que moi. Vous êtes des messagers de ce même message. Donc, s'il y a un messager qui vient, il sera quel messager? Ni mujumbe wa je. De ce même message. Wa yu mujumbe moya moya, amen. De ce même message. Ah, monsieur Chiri, amen. Je n'entends pas votre de ce même message. Or, si vous devenez messager de ce même message, alors vous n'êtes plus successeur. Vous êtes alors un répétiteur de ce message. Vous êtes alors un Éphésien 4. Monsieur Chéguer, amen. Je n'entends pas amen. Vous êtes des messagers de ce même. Muko babasha ujumbe ba ujumbe moya moya. Pourquoi? Dieu a nini? C'est le dernier. Ni ujumbe ya mwisho. Amen. Or, si vous devenez messager de ce même message, qui est le dernier, alors vous n'êtes plus un successeur. Kumbe aona kumkombo la Branham. Vous n'êtes plus un huitième. Alors vous n'êtes qu'un répétiteur de ce message. Et étant répétiteur, vous êtes seulement un Éphésien 4. Amen. Amen. Que cela, je voulais lire cela pour annuler de votre esprit toute possibilité de penser à un successeur. Que vous restiez seulement dans la position avec frère Branham qui y apporte le dernier message. Pale Branham anaisha kushimamia mwenye kuleta ujumbe ya mwisho. Même si vous voyez quelqu'un ressusciter les morts, ata unaona mtu akona fufula bafu,
il ne sera pas un successeur de frère Branham. Hasta mukombola nduku Branham mapana. Il n'apportera pas un autre message. Ashina na ujumbe ingine la taleta. Parce que le message qu'a prêché William Branham, il est le vrai message de ce jour. C'est pourquoi ceux qui croient ce message, qui vivent ce message, qui le croient dans sa totalité, reçoivent déjà la foi de l'enlèvement. Non plus pour recevoir un autre messager, mais pour aller dans l'enlèvement. Mais je dirais amen. Je n'entends pas amen. Donc en moi ici, comme en vous là, il n'y a plus de place pour croire à un autre messager. Cette place là n'existe plus. D'aimer quelqu'un d'autre aussi comme un autre messager. Ça n'existe plus. Il est aina kotena. Dites amen. Mseme amen. Est-ce que je peux entendre votre amen? Minezi kushikia amen yenu. Je ne voudrais pas avoir dans mon église mishipende nikuye na bantu ba momu kanisa yangu mu quelqu'un qui croit que un autre est venu succéder à frère Branham. Muntu mula anisha kuamini asema kuko muntu mwingine anakuwa kumkombola Branham. Je ne veux pas avoir une telle personne dans mon église. Mishipende nikuye na muntu wa vile umu mukanisa yangu. Je ne veux pas en avoir une seule personne comme ça. Mishipende nikuye na muntu atamoya wa vile wa kuamini bia vile. Vous qui êtes sur Internet, vous lisez Kakou Philippe. Mweye benye kusoma ma Facebook, muna msoma Kakou Philippe. Qui dit que c'est lui le huitième qui a remplacé frère Branham. Yako nasema yeye ule wa Côte d'Ivoire, njoo anamkombola nduku Branham kisha Branham. Ce sont des aventures. Ni bantu wa kufanya michezo. Il n'y a rien de sérieux dans ces choses. Hakuna kiabia kweli mule ndani. Et vous n'avez pas le temps à perdre avec ce genre de choses. Na auna na saya kupotesha na bintu bya kuchezesha na bantu vile. Je peux encore parler. Mneza tena kusema. Vous qui voyez, vous qui êtes ici au Congo, vous avez beaucoup de prophètes des nations. Mweye benye kuyo mu Congo, mumuko na banabi ba mingi sana ba mataifa. Mais qui n'ont pas de message. Lakini bale banabi bote abana na ujumbe le Mungu anabapachia. Au temps de la fin, il y avait une promesse. Wakati ya mwisho, Mungu alileta malako. Comme l'éclair part de l'Orient. Chama vile umeme unatoka kwa asubuhi. Et se montre en Occident. Nenda konekana ku magharibi. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'Homme. Mwile namu na kurudi kwa mwana wa mtu pa dunia kutafanika. Et cela a eu lieu. Na ile inesha kufanika. Amen. Écoutez, je n'ai pas honte de le dire. Nous sommes dans le vrai. Amen. William Branham a prêché un vrai message de ce jour. Et le dernier. Vous voulez aller dans l'enlèvement? Croyez ce message. Vive ce message. Yishi hii ujumbe. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. Amen. C'est ainsi que Joivi. Vous trouvez William Branham prononçant ainsi dit le Seigneur. Tamkuta William Branham anasema hivi Mungu anasema. Soit par la vision. Au kuonywa aliona. Soit par l'écriture. Au kupitia maandiko. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que juu il était le dernier prophète de la dispensation des gentils. Il était le dernier prophète de la dispensation des gentils. Et
sont les instruits de la Seigneur qu'il a prononcé de la part de Dieu. C'est ça notre absolu. Amen. Amen. Et dans cet absolu, nous trouvons l'ordre de l'Église. Mulendani tunakuta namna kuipanga kanisa. Dites amen, mes frères. Museme amen banduku yangu. Dans cet absolu, bien lancé dit le Seigneur. Pale tunashimamia pale hivi bwana na sema. Nous trouvons aussi l'ordre de l'Église. Tunakuta motena namna kuipanga kanisa. Pas seulement le mariage et divorce. Aina paka kuoana na kufunja. Pas seulement la révélation de cette chose. Aina paka ufunuo wa mamiuri. Pas seulement la semence du serpent. Aina paka uzao ya nyoka. Mais nous y trouvons lakini aussi. Tunakuta motena. Dans cet absolu. Ndani ya pale tunashimamia pale. L'ordre de l'Église. Namna ya kuipanga kanisa. Et Frère Branham nous a dit que cette bande-là était notre absolu. Kusema ile bande ya namna kupanga kanisa ndio pale tunapaswa kushimamia. Amen. Amen. Pourquoi? Njoo ya nini? Parce que Dieu ndio Mungu n'est pas un Dieu de désordre. Ashina Mungu wa mvuruko. Dites amen. Museme amen. C'est ce que Paul dit aux Corinthiens. Mais quelle Paul anambia bantu akoma? Savez pourquoi il a quand vous lisez les livres des Éphésiens? Wakati unasoma kitabu kia bantu wa Efeso. Paul ne leur parle pas de l'ordre. Paul ashibambia namna kuipanga kanisa. Pourquoi? Njoo ya nini? Kama namdi? Ndoko namana nasema. C'était déjà arrivé à maturité. Ni bantu bale barikuwa benesha kuivia. C'est pourquoi il n'y avait pas de désordre parmi eux. Mais les Corinthiens, c'était des bébés pentecôtistes. Il y avait beaucoup de désordre parmi eux. Beaucoup de désordre dans leur vie. Beaucoup de désordre dans leur mariage. Beaucoup de désordre dans leur maison. Beaucoup de désordre même dans leurs églises. Même au moment de la Sainte Cène. Il y avait beaucoup de désordre. C'est comme ça que quand vous lisez l'épître de Paul aux Corinthiens, il a mis beaucoup de l'ordre chez eux. Sur le mariage, sur la vie, sur la Sainte Cène, sur l'ordre dans l'église, les femmes qui voulaient prêcher, tout ça. Paul a beaucoup mis de l'ordre chez eux. Parce que c'était des bébés pentecôtistes. Et laissez-moi vous dire ceci. Vous pouvez être une église du message. Mais quand il n'y a pas de l'ordre parmi vous, vous êtes des bébés pentecôtistes. Amen. S'il n'y a pas de l'ordre dans l'église, nous sommes des bébés. Mais Dieu ne peut rien faire de sérieux avec des bébés. Dieu compte sur les gens matures. Et quand ils deviennent matures, ils savent l'ordre. Ils connaissent l'ordre. Ils sont dans l'ordre. Ils obéissent à l'ordre. Frère Madame dit, nous donnons un exemple. Vous êtes parents. Vous pouvez être en train de traiter une matière très sérieuse avec quelqu'un. Vous êtes passé au salon. Vous avez quelqu'un. Peut-être vous traitez des affaires de millions de dollars. Ou des affaires très importantes. Votre petit enfant comme ça peut venir vous interrompre avec un problème de rien du tout. Votre petit enfant peut entrer en train de pleurer là. Il vient là. Il tombe sur vous. Papa, il m'a tapé. C'est tout. Kunesh. Est-ce que moi, c'est mon achakia? Vous suivez ce que j'ai dit? Alors que vous traitez une matière très sérieuse. Mais votre petit enfant peut venir là, en train de pleurer. Il arrive là, il vous interrompt. Vous lui parlez, c'est quoi? Peut-être vous pensez qu'il y a quelque chose. C'est moi. Il m'a tapé.
Mais il vous a interrompu. Lakini anakukata bila uranje kufanya. Frère Balamdi, c'est un enfant. Vous le comprendrez. Parce que c'est un enfant. Il dit, mais quand c'est votre femme anasema, wakati ni bibi yako, qui connaît l'importance de la matière que vous traitez, ule anayua mafaya bila Mungu nasumburia, il ne viendra pas vous interrompre à ce moment-là. Bibi yako hasa kwa kukukata ile mambo pale pale. Il attendra son temps. Atachunga saa yake yeneye. Que vous puissiez terminer cette matière importante. Muishe bile biakabele mwanzo kufanya. Alors, jo, au temps marqué, elle peut venir à vous. Saa yake ya kuedeya anaweza kuja kwako. Mais aujourd'hui, lakini leo, la chose la plus importante c'est la parole de Dieu. Kitu kiakabaila sana mukanisa ni sauti ya Mungu. La parole est à 1 million de kilomètres des dons de l'esprit. Sauti ya Mungu iko mbali sana milioni. De la guérison divine. Na matunzo. Et toutes ces choses là. Na zawadi na biote vile. Parce qu'il a été dit. Dieu barisema. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Mtu asiishi kwa mkate tu bule. Mais des dons. Na mazawadi. De la guérison. Na matunzo. Mais de tout. Lakini ataishi kwa parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Neno ya Mungu yote yatoka mkono wake. Quand vous allez chez les bébés Pentecôtistes. Anasema njoo maana wakati mnaenda kwa bébé Pentecôtistes. Ils peuvent interrompre un prédicateur en pleine prédication. Banaweza kumkata mhubiri au mhubiri kumbele bana mushimamisha. Pour donner une prophétie. Njoo balete matabiri mtu mwana anashikia bya kuleta matabiri. Montrer que ce sont des bébés. Chini ba bébé balle ba pentecôtiste. Mais quand nous venons au message, lakini wakati tunakuja kujumbe, nous recevons un message avec la suite du Seigneur. Tunamupokea mujumbe anakuja na hivi Bwana anasema, nous devons passer des bébés pentecôtistes aux des hommes matures, des hommes et des fils de Dieu adoptés. Tunapaswa kutoka ku kibebe kile tulikuja kwa pentecôtiste tukomeye bantu bakuivya. Et là, na pale, Dieu n'est plus un Dieu de désordre. Mungu ashina tena Mungu wa mvuruko. Mais un Dieu de paix. Mungu wa salama. Pour qu'il y ait la paix, salama, il faut qu'il y ait l'ordre. Inapaswa kupanga bintu mzuri. J'aimerais attirer votre attention, mes frères. Et je fais une déclaration brutale. Na ntasema maneno ya nguvu. Je ne crois pas que quelqu'un qui a l'esprit de Dieu en lui mungu na wana roho ya mungu ndani yake peut manquer d'égard à l'ordre de l'église. Anaweza kukosa kuheshimia mpango ile banapanga mkanisa. Parce que l'esprit de Dieu qui est en lui n'est pas un esprit de désordre, mais un esprit de l'ordre. Ni roho ya kufuata bintu bile banaisha kupanga. Dit amen. Museme amen. Vous savez, aujourd'hui, il n'y a pas une seule preuve du baptême du Saint-Esprit. Une seule évidence, non? Il y a beaucoup d'évidences. Pas une seule. Pas une seule. Mais il y a une seule. Tu peux croire chaque parole, tu dis amen. Unaweza kuamini sauti ya Mungu yote unasema amen. Mais si tu ne respectes pas l'ordre, lakini kama uheshimie bintu vile banisha kubipanga, c'est que l'esprit qui est en toi inonesha sema ro un esprit désordonné. Roho ile iko ndani yako ni roho ya mvuruko ya fujo. Or si c'est un esprit désordonné, kama ni roho ya mvuruko, Dieu de Mungu ye ana Mungu wa mvuruko. Donc c'est pas l'esprit de Dieu. Ni kusema ile iko ndani yako ana roho ya Mungu. Dit amen. Museme amen. C'est pourquoi quand Franklin parle de l'ordre. Jomana wakati ndugu Branham anasema njoo namna kuipanga kanisa. Il dit anasema que nous devons exécuter cela. Tunapaswa kuifanya paka vile Branham anaisema. N'est-ce pas? Aena vile. Je peux le lire dans l'ordre de 63. Minezo kusoma mu namna kupanga kanisa. Le relire parce que 63. Tunaisha kuisoma tena. Paragraphe 9, il dit.
Et souvenez-vous, Dieu s'attend à ce que je veille à rester avec la parole. Et je m'attends à ce que vous veilliez appliquer la parole. Dans cette église. Dani yai kanisa. Que vous veillez. Il s'attend à quoi? Nous puissions appliquer. Même vous qui venez en retard là. C'est une vie de désordre. Il est ça kupita muna kuya. Shini mufuruko mukuna leta mukanisa. Vous qui entrez là. Mweye benye kuingia. Maubirisha kwanza. Vous avez brisé l'ordre de l'église. Unesha kuivunja namna tunapanga bintu mukanisa. Parlez-vous de tunapanga chez Frère Paul. Avec chez tunapanga. Branham. C'est l'ainsi dit le Seigneur. Ni hivi bwana nasema. Frère Madame dit, Dieu s'attend à ce que je vais rester avec la parole. Mungu anatumaini je m'attends à ce que vous veillez à appliquer la parole. Na mimi natumainia mupate kuifanya hii sauti ya Mungu nasema muikanisa. 204 il dit. 204 anasema. Que ce soit pour les diacres, pour les administrateurs, ou pour quiconque, passez la bande. Passez là aussi à l'assemblée. Si elle veut l'entendre. C'est ainsi que je vous commissionne. Vous les frères, d'exécuter ceci. Muifanye hii mimi nasema sous la conduite du Saint-Esprit wenye kuongozwa na Roho Mtakatifu avec toute bonté et avec tout amour na wema wote na mapendo yote. William Branham nous commissionne d'exécuter. William Branham anatupatia kazi ya kuifanya appliquer ceci kuitenda hii dans cette église ndani ya hii kanisa sous la conduite du Saint-Esprit chini ya kuongozwa kwa Roho Mtakatifu. Écoutez mes frères, mshikie banduku yangu. Vous n'allez pas vaincre sans l'ordre. Hautapata ushindaji pasipo utaratibu namna kupanga bintu mzuri. Vous n'allez pas triompher sur le diable avec une vie désordonnée. Hautamuwina shetani na maisha yako ya mvuruko ile. Vous savez, il y avait l'ordre au ciel. Quand le diable a voulu amener le désordre, qu'est-ce que Dieu a fait? Il l'a chassé du ciel. Parce que le diable voulait amener le désordre. Là où il y avait de l'ordre dans la présence de Dieu. Pour montrer que Dieu connaît Chassema, dans la présence de Dieu, Dieu ne supporte pas le désordre. Muwepo wa Mungu, Mungu ashuvumili yake mvuruko. Parce qu'il n'est pas un Dieu de désordre. Dieu ashina Mungu wa mvuruko. C'est pourquoi pour vaincre l'armée de l'Égypte, qu'est-ce qu'il a commencé par faire? Arifanya nini kwanza? Il a d'abord amené quoi? Arileta nini mukambi ya bantu ayo? Analeta mo mvuruko. C'est quand il a amené le désordre. Wakati anaingisha mo mvuruko. Qu'il a pu les vaincre. Jo aribawina. C'est profond, hein? Hii ni ya upana sana. C'est profond. Hii ni ya uketo. Et vous savez que nous avons besoin de mener toujours une vie victorieuse. Na munayua sema kila muntu yuko lazima ya kuishi maisha paka ya kuwina wakati yote haina vile. Mais lakini dans le désordre il n'y a pas de victoire. Mumuvuruko hautapata amo ushindaji. C'est pourquoi Israël, Jomana Israël, c'était un peuple très ordonné. Ilikuwa bantu benye kupanga bintu na kuheshimia namna Mungu alibipanga. Même dans la marche, atamu namna baranja kutembea Mungu. Il y avait de l'ordre. Balikuwa banaisha kupangana kila mtu pa fashi yake. On ne pouvait pas marcher en désordre. Abakuwezi kutembea mumuvuruko tu. Il y avait de l'ordre. Balikuwa banaisha kupangana mzuri. Moïse avait sa place. Moïse alikuwa na fashi yake. Que personne d'autre ne pouvait prendre. Ile mtu mwingine ashukuweze kubeba pana.
Les sacrificateurs avaient leur place. Les lévites avaient leur place. Les chantres avaient leur place. Et Dieu avait organisé même les camps. À l'est, c'était le camp qui va camper. À l'ouest, c'était le camp. Devant, derrière et tout ça. On ne veut pas marcher comme non. Mais c'était un ordre que Dieu avait établi. Il kuya ni mupangaji fulani Mungu aliweka. Et c'est avec cet ordre qu'Israël a vaincu tous les ennemis jusque dans la terre promise. Israël a ruiné badui bake bote tina mwincha malako. J'insiste pour que vous compreniez que en tant qu'église, Dieu nous a laissé un ordre. Mungu anesha kutuachia namna ya kupanga kila kintu. Un ordre à appliquer. Namna ya kupanga ile tunapaswa kuheshimia na kutumikisha. À exécuter. Kutumikisha paka vila na yacha. Amen. Je n'entends pas amen. Vous venez à l'église quand vous voulez. Le jour où vous voulez venir. À l'heure où vous voulez venir. C'est contraire à l'ordre de l'église. Vous sema amen. Dites amen. Et vous arrivez si vous commencez à dormir. C'est encore contraire à l'ordre de l'église. Kulala mukanisa inachana na namna Mungu anaipanga kanisa. C'est pourquoi j'ai dit. Njoma na mimi sema. Chaque personne qu'elle fasse un effort pour relire l'ordre de l'église. Kila mtu mwenye kuja hapa afanye nguvu yote asome tena mahubiri ya namna kupanga kanisa. Parce que vous verrez à la fin quand je vais terminer que Dieu va vous honorer quand vous êtes dans l'ordre. Amen. Que celui qui a compris dise amen. Alors, et là, il a dit, les administrateurs, les diacres et tout ça doivent exécuter ces ordres. Vous venez à l'église, il y a l'ordre. Il y a quoi? Il y a quoi? L'ordre. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Maintenant remarquez. Frère Branham lui-même, qui a prêché le dernier message, il a fixé ceci. Les décisions suivantes et les opérations des offices au pouvoir dans le tabernacle Branham sont compilées ci-dessus. Ceci dans le but d'éclairer les membres fréquentant les services d'adoration au tabernacle Branham. Remplacer tabernacle Branham par en ce qui concerne le fonctionnement convenable de chaque office. Afin que nous soyons d'accord comme étant un corps uni et comprenant la position de chacun alors que nous travaillons ensemble pour l'avancement du royaume de Dieu. Est-ce que vous avez compris? Maintenant vous venez à l'église, vous ne savez même pas le travail du pasteur, c'est quoi? Le pasteur lui-même, il devient pasteur juste pour avoir l'argent sans savoir son travail, c'est quoi? Bon, je vais dire une chose. Vous pensez que le jour où on va amener les investisseurs ici, où il y aura du travail, où on paiera les gens 2500 dollars chaque mois, il y aura autant d'églises et de pasteurs comme aujourd'hui?
Mwe muno nasema shiku ile bataleta bantu umu mukongo bakuleta makazi ya mingi bantu Bongo. Bantu $2,500 makanisa tayala vile na yala kila balabala Bongo C'est faux les gens vont déserter Bongo Njua tamie parce que même moi commence pas les compliqué kasane quand ça m'avait coincé au début J'étais prêt à déserter et aller chercher du travail. Atami. Même moi. Mais Dieu ne voulait pas que j'aie du travail. Parce qu'il savait que j'allais en avoir beaucoup. Mais on a agi à ce Alors, quel est le travail du pasteur? Pasteur Kajia qui On va lire rapidement. L'office du pasteur. Quel est le travail du pasteur? Est-ce que vous êtes là? Pourquoi pas? Parce qu'à un moment donné, vous me faites faire ce qui ne me revient pas comme tâche. Quel est l'office, le travail, le devoir du pasteur? Ça, c'est pour l'ordre dans l'église. On va juste lire, on ne fera pas beaucoup de commentaires. Écoutez le prophète. L'office du pasteur, pasteur est de conduire et d'agir pour chaque programme Ni ya kuongoza na kutenda njuu ya programu yote. Qu'il croit être selon le plan de Dieu. Ile anamini asema ni mpango ya Mungu. En accord avec la parole de Dieu. Na kwamba tana na sauti ya Mungu. Pour le tabernacle Branham, vous remplacez là par le nôtre. Njuu ya roi tabernacle. Écoutez. Mushikiye. Il assurera l'autorité suprême. Ata kuya na mamlaka pabiote. Museme mbele amen. Dites d'abord amen. Il assurera l'autorité Suprême. Yenjo chef wa kanisa. Comme Félix, il est, c'est qu'il est là suprême là-bas. Moi aussi ici. Ville Félix Eko, chef de l'État. Apa na pomi na mi yeniko. L'autorité suprême. Chef wa bote. Et aura la responsabilité de garder et promouvoir le bien-être spirituel de l'Église. Na atakuya na bujito bwa kuchunga na kuongoza mzuri bintu byote bya kiroho bya kanisa. Il sera la tête du pasteur associé. Atakuya kichwa kya pasteur wa kumfuatia. Ah, il sera la tête. Yenjo kichwa. Du pasteur associé. Ni chefu yake wa pasteur wa kumfuatia. Du conseil des diacres. Wa bashemasi bote. Du conseil des administrateurs. Wa kunji ya administrateurs. Et du corps de l'Église lui-même. Na kanisa yenye mujima yenjo chef. Njomiye. La tête. Kichwa. Ça, c'est la constitution. Injo sheria. Écrite et rédigée. Yenye kwanjikwa. Par le Saint-Esprit. Na Rome takatifu ye mwenyewe. Dans la bouche de William Marion Branham. Mkenyo kia William Marion Branham. Agissant avec sagesse. Akitenda na hekima. Pour conduire les saints de Dieu. Njuu ya kuongoza batakatifu ba Mungu. Et manifestant de l'amour envers tous les saints. Na mukonekanikia ba batakatifu bote mapendo. Manifestant de l'amour envers. Ekolonesha mapendo. Tous les saints. Kumbele ya batakatifu. Qu'il soit riche, qu'il soit pauvre. Akwe na makuta, akwe na makuta. Là où il habite. Atayekonekana wapi. Le pasteur. Pasteur. A le devoir de manifester de l'amour. Ekona ile kaja konesha mapendo. Envers tous les saints. Kumbele ya batakatifu. Et leur fardeau. Na kupapa mijiko yabo. C'est comme cela qu'il arrive. Njo vile mononaka wakati ingine. Que quand vous allez chez les Zach. Wakati unene kubashemash. Il ne trouve pas de solution. Abapate jibu kumambo yako. Le pasteur lui est obligé de faire quelque chose. Pasteur anapashwa kupapa bule bujito bwako. Parce que lui. Njo yeye.
Il doit manifester de l'amour envers tous les saints et leur. Se conduisant lui-même dans une parfaite servitude de ce à quoi Dieu l'a appelé et de ce que Dieu l'a placé pour agir. Ça, c'est l'ordre de l'Église. Le travail ou le devoir du pasteur. Ma pacha ya pasteur. Autorité suprême. Chef ou abot. Suprême, ça veut dire ses décisions sont incontestables. Chef ou abot, ni kusema. Bile ya nasema, akuna umu chini ula tabishana na bile ya nisho kusema. C'est ce que ça veut dire suprême. Jo mana ya wa yulu ya bot. Ayana miye mi nasema. Ce n'est pas moi qui ai dit. C'est ce que Dieu m'a donné. Et moi je dois exécuter. C'est ce que Frère Bala m'a dit. C'est à appliquer. C'est à exécuter. Vous savez. Frère Branham dit dans l'ordre 58. Il dit, le pasteur a l'autorité de déposer quelqu'un dans un conseil de l'Église. Pasteur, ekona ile bushefu wa kutosha muntu mukaji le unafanya mukanisa. Même tout un conseil. Atan kunji yote abashemasi ya administrateur anaweza kubikarisha. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que Dieu il veille. Il a la responsabilité de garder, de promouvoir le bien-être spirituel de l'Église. Ce n'est pas comme là-bas où dissoudre l'assemblée, il faut consulter tel, consulter tel, consulter tel. Aena sa constitution ya mukongonju ya kuikarisha badi. Bongo. Inapaswa kuuliza premier ministre, kuuliza president wa assemblée, wa sénat. Ici pas de consultation. Vous direz, mais où est la souveraineté de l'Église? Utaniuliza sasa kanisa yoyote shima. L'Église est souveraine. Kanisa iko na mamlaka na yo. Mais l'autorité suprême ce n'est pas l'Église. Lakini chef wa kanisa aina kanisa yote mjima pana. Alors je me sens bien. Kumbe mimi nalishikia mzuri. Parce que Jo vos chefs vont faire bien. Quand on est chef, ça fait du bien, non? Mais ça moi vos chefs on a quoi faire mobile. Mais à un moment donné être chef, ça devient aussi un problème. Kama bantu mateso na pita. Quand les gens mateso na pita. Il y a tellement de souffrances. Félix a choisi qu'une toi, Félix ne fait rien. Et que ça lui arrive, ça lui parvient aux oreilles, qu'est-ce qu'il fera? L'office du pasteur associé. Kaji ya pasteur wa kumfatiria. Ça vous donne l'idée, mais on va vous donner, on va afficher tout ça comme c'était sur un panneau là, et vous aurez le temps de peut-être l'écrire et tout. L'office du pasteur associé. Pasteur Kanku, quel est son travail? Kaji ya pasteur Kanku ni kaji kani. Parce que vous savez tous que c'est lui le pasteur. Quel est son travail du pasteur Kang? Le fils du pasteur associé au tabernacle Branham est de remplir et de s'inquiéter des fonctions du pasteur en son absence. Hein? En son absence. Wakati ye ashinako. Bon, moi, on a ma problème. Vous avez des problèmes. Donc, Frère Branham a fait de manière à ce que. Donc, on a mananga bintu muno na kusema. Qu'il n'y ait pas de crise. Ushikuye mambo ya uyu ashishike muzuri uyu ananjo kukutana na mwingine. Et de remplir et de s'acquitter des fonctions du pasteur en son absence. De conduire les services d'adoration. Selon la manière de doctrine crue et
pratiqué au tabernacle Branham. Munamna ya mafundisho ile banamini na kufundisha. Mon fils est pasteur, frère Branham n'a pas parlé de la doctrine de la manière crue au Branham tabernacle. Mukaji ya pasteur chef nuk Branham asiseme namna ile. Pourquoi? Dieu a nini? Parce que le pasteur est le dépositaire de la doctrine de l'église. Jo pasteur, jo mwenye muletaji na mchungaji wa ile mafundisho ya kanisa. C'est pourquoi il dit, si le pasteur Neville veut prêcher la doctrine des témoins de Jéhovah dans cette église, kama pasteur Neville anapenda kufundisha bile batemwe, et que l'église est d'accord avec lui, na kanisa inechika sema yu, moi je n'ai rien à faire. Branham shino na kile mita sema tena. Mais quand on en arrive maintenant au pasteur, wakati tunafika kwa ule anamfuatia, écoutez, mushikie, lui maintenant, ye pasteur anamfuatia, de conduire les services d'adoration, apasho kuongoza ibada, selon la manière de doctrine crue pratiquée au tabernacle. Namna ya mafundisho ile kanisa inaamini na kuitumikisha ku Branham tabernacle. Lui maintenant est soumis à la doctrine. Yeye ule pasteur anamfuatia, aiko anapaswa kufuata mafundisho ile pasteur chef anaisha kuleta. Il sera investi des mêmes pouvoirs que le pasteur. Na ye atakuwa na mabujito moya moya na ya pasteur chef. Et a toute la responsabilité. Mwenye kuwa na bujito bote. Et agissa avec une pleine autorité. Akitenda na mamlaka yote. Pour garder l'église dans l'ordre. Njoo kuchunga kanisa mutaratibu. Et de manifester un intérêt profond. Anapaswa kuonesha ile hamu sana. Pour tous les fardeaux des saints. Juu ya mijiko yote ya batakatifu. Et pour remplir la commission à laquelle Dieu l'a appelé en tant que berger. Juu ya kuitimiza kazi ile Mungu alimuita kama mchungaji. Il devra donner au pasteur des rapports périodiques. Anapaswa kumpatia pasteur. Sur les progrès de l'église. Ma rapport kila mwezi. Sur les problèmes spirituels présents. Mambo ya kanisa ya kiroho. Sur les problèmes qui sont urgents. Na mambo ile iko ya mafaa sana. Il n'entreprendra qu'une transaction d'affaires. Achezi kuanza mambo ya sans d'abord présenter au pasteur l'exacte transaction. Parce que pour monnaie, mais le pasteur chef yake vile le mambo yiku. Ça c'est l'ordre de l'église. Hii ni namna ya kuipanga kanisa. Amen. Amen. Vous avez élu les diacres ici, nous avons un comité de 10 diacres. Muna chakula baba shemasi tuko na abu 10. Mais vous même qui les avez élus. Paka mwe benye mwana bachakula. Vérifiez un peu ceux qui dorment. Mwangarie bale banesha kulala. Mama kote de toi, il y a une sœur qui dort. Mama kumpembeni yako mtu unalala. Vous avez élu les diacres. Muri chakula hapa bashemashi. Pourquoi les avez-vous élus? Njua nini muri bachakula? Voici leur travail. Makaja bashemashi. Le fils des diacres. Kaja shemashi. Tel que lui selon la parole de Dieu. Vile la manière du tabernacle Branham. Namna ya tabernacle. Et d'agir comme un office d'assistance spirituelle au pasteur. Ni akutumika mukaji akumsaidia pasteur mu mambo ya kiroho. Pas un office d'opposant au pasteur. Hapana kaji akubishana na bile pasteur yuko nasema. Écoutez, mushikie. Vous ne m'avez pas donné les gens pour s'opposer à moi. Amkunipatie bantu ndio banje kubishana na mie. Mais pour m'assister. Ninjuba ni saidie. Musema amen. Dit amen. Ils doivent assister le pasteur. Bana pasho kumsaidia pasteur. Dans toutes ses activités spirituelles. Mumakaji yake yote ya kiroho. Il doit faire quoi? Bana pasho kufanya nini? Il doit faire quoi? Bana pasho kufanya nini? Mimi unatafuta pasteur. Pasteur anatuma diacre. Moi je cherche le pasteur, mais le pasteur m'envoie son diacre. Mais il l'envoie pourquoi? Il l'envoie pourquoi? Il doit l'assister pasteur. Dans combien d'activités? Mumakaji ngapi? Museme. Répondez. Toutes ses activités spirituelles. Mumakaji yote ya kiro ya pasteur. Dites amen. Museme amen. Alors si vous avez un problème. Sasa kama uko na mambo. Et que je vous envoie un diacre. Na mimi nakutumia shemasi njoo anisaidie. Respectez l'ordre de l'église. Eshimia namuna tunesha kanisa isha kupanga. Mishike amen. Je n'entends pas amen. Respectez l'ordre de l'église. Eshimia namuna Mungu anapanga. Il doit être apte à enseigner. Banapaswa kuyua kufundisha. Ah. Ah. Alors, ah, unaona unashikia, unashikia baba mwalimu.
Alors chaque diacre sera un docteur de la parole. Ce n'est pas ça. Apte à enseigner, ça veut dire si tu trouves dans un problème qui nécessite la parole, il peut t'aider avec la parole. Museme amen. Et c'est la parole de sa frère. Paike kintu sauti ya Mungu inasema dada, sauti ya Mungu inasema hivi. C'est ça. Njoo kile. Et disposer un système de pasteur. Tayari njoo kumsaidia. Le pasteur associé. Pasteur associé. Dans chaque devoir. Mukila kaji. S'ils sont appelés à le faire. Kama bana balomba kuifanya. Ils assistent le pasteur associé. S'ils sont appelés à le faire dans chaque devoir, ils assisteront pour la communion. C'est pourquoi quand on sert la communion, ils nous assistent. Ils agiront comme policiers dans tous les services. Ils seront la police de l'église. Bonjour, ba policier, ba muel roi tabernacle. Monsieur Mbele, amen. Dites d'abord amen. Maintenant, le problème, c'est quoi? Comme au Congo, les policiers n'ont plus d'autorité. Savez le Mukongo, les policiers ni barafiki ya bantu bote. Parce que quand vous cherchez le monde, vous le trouvez où? Njoo, wakati unatafuta dunia unaikuta wapi? Dans l'église. Dunia sio kuingia ndani ya kanisa. Comme au Congo, le policier. Savez le Mukongo, les policiers n'ont plus d'autorité. Achina tena na bouchefu. Prenez la PCR. Normalement, ils n'ont pas besoin d'un tétat pour arrêter quelqu'un. Normalement, il doit juste avoir sa tenue pour qu'on reconnaisse que c'est un policier. Et quand il est sur son poste, il doit seulement faire comme ça. Frère Madame dit même. Un gros camion de plusieurs chevaux va faire quoi? Pourquoi? L'autorité de ce petit policier, même s'il est court comme ça. Il fait seulement comme ça. Pour que tu passes, il faut qu'il le fasse comme ça. Là, tu vas passer. Une toute petite main. Mais maintenant au Congo, sasa, Mukongo, si le policier fait ça, qui va s'arrêter? Kama policier anafanya utanalamusha mukono hivi, ni motokaka nitamuheshimia na shimama. Alors il faut aller chercher quelque chose d'autre. Njo policier anenda kutafuta nteta. Au lieu de faire comme ça, fasha ye kulamusha mukono, anakutupia yo munjia chini ya mupeto chui. Alors, tu ne crains pas le policier? Il est fâché, ou tu n'as pas policier ou la nation? Tu crains quoi? Ou tu n'as pas mon pète, je suis tombé, t'es copain. Maintenant, on prend cet esprit-là, on l'amène à l'église. Il est roi à ville et à Bapese, Banengisha et Mukanisa. À l'église, on trouve la police. Mukanisa, tu n'as pas la police. Tu dois aussi faire comme ça. Mais bon, on n'a pas surtout un alarme surtout mukono. Maintenant, comme sur la route. Ça, ça, ça veut le mot mabalabala. Quand le PCR a fait comme ça. PCR, on a l'alarme surtout mukono. Tu y es passé. Oui, ou sur le catalogue ou chimam on a pita. Tu arrives aussi à l'église. On a fait un amour mukanisa. Tu trouves un autre policier. On a fait un policier mwingine. Il fait comme ça. On a fait une SM, fait une on a musula. Parce que lui n'a pas d'entête. Alors nous allons fabriquer l'entête pour nos diacres. Comme ça, quand tu viens, s'il a besoin que tu ne t'assoies pas sur une chaise, il faut que tu mais si on fait des choses comme ça, comment tu n'as pas fait bintu bien ville? Où est l'autorité de la parole prononcée par William Branham? Bouchefu basauti ya Mungu ile William Branham anasema buku wapi?
Si on fait des choses comme ça, où est l'autorité du ainsi dit le Seigneur? Vraiment, si Satan à ce que je reste avec la parole, et moi je veux à ce que vous appliquez la parole. Je vais entendre votre amen. Alors écoutez, vous qui passez la police sur la route, quand vous arrivez ici, il y a une police qui est revêtue de l'autorité de la parole. Policier va le faire qu'on a bouché fou bas sa route à Mungu. Monsieur Chéri, amen. Je n'entends pas amen. Monsieur Chéri, amen. Je n'entends pas amen. Et écoutez ceci. Normalement, allez ailleurs où la police a de l'autorité. S'il vous arrête, vous passez. Vous ferez la prison. Prison. Si on vous arrête. Parce que ce n'est pas le policier que tu n'as pas respecté. C'est la loi du pays que tu n'as pas respecté. Alors, sasa, chez nous, c'est pas comme ça. Vile, tu fais ça, unafanya vile, personne ne t'arrête. Mais à l'église, ndani ya kanisa mo, vous pouvez échapper à la loi des hommes. Kuepuka, ya bandu, mais vous n'allez pas échapper à Dieu. Lakini Mungu hautamwepuka. Monsieur Chéri, amen. Je n'entends pas. Vous n'allez pas échapper à la loi de Dieu. Hautamchora Mungu sheria yake. Alors laissons le Congo dehors l'église. Quand nous venons ici, nous sommes gérés pas par le Congo, mais par l'ainsi dit le Seigneur prononcé par frère Branham. Il est na Congo za ina Congo apana ni hivi Bwana anasema ile William Branham anasema. Dites amen. Museme amen. Ils seront la police de l'église. Batakwa policier ba mukanisa. Gardant la conduite et l'ordre civil. Beko na chunga namna ya kongoza bintu mukanisa ya bantu. C'est pour cela que mes sœurs, John njua ile mwe badada. Vous qui manquez d'obéir au diable. Mwe badada muko na kosea ba shemasi adabu. Sachez que ce n'est pas contre eux. Uyu asema ile tabia ya mubaya aina ba shemasi unafanishia. Sachez que vous désobéissez à William. Uyu asema ni William Branham na kosea adabu. Et ce n'est pas William Branham que vous désobéissez. C'est à Dieu qui a parlé par lui que vous désobéissez. Je me demande, monsieur, je amen. Vous voyez, je n'entends pas amen des sœurs. Surtout vous. Mingi ni mweye badada. Surtout si chez toi tu n'as pas du respect pour ton mari. Zaidi kama kwako kujumba bwanako acha kwa tu nikichezesha. Tu amènes ce manque de respect jusqu'à l'église. On a causé mon conseil à Dabu Tina Kumbela Bashemash Mukanisa. Si tu ne respectes pas ton mari, c'est chez toi. Kama weshimiake bwanako, ni kule kunyumba yenu. Ça c'est la maison de Dieu. Hii ni nyumba ya Mungu wa kumbingu. Nous avons un ordre à respecter. Tuko na utaratibu ile tunapaswa kuheshimia. Et vous, Marie, apprenez à vos femmes à respecter les diacres. Et vous vous fondissez, Bibi Yako, à yuwe kweshimia bashemali. Il y a des frères ici qui encouragent leurs femmes à manquer du respect aux diacres. Quand sa femme va aller lui dire, il va voir. Et un frère impoli. C'est pas une insulte, c'est la caractéristique de l'esprit qui est en quelqu'un. Incapable de gérer sa femme. Il veut que même les diacres ne puissent pas gérer sa femme parce que lui n'arrive pas à gérer sa femme. J'aime voir un diacre. Frère, qu'est-ce que tu as fait à ma femme? Nduku, we ni nini ulimfanya bibi yako? Regarde ici. Beba na weye na bibi yako mutoki. Toi et ta femme, mais quitte le roi. Frère Branham dit. Donc Branham
anasema nous voulons avancer avec tout le monde. Tunapenda twende kumbele na bantu bote. S'il y a quelqu'un, lakini kama kuko mungu, avec qui nous ne pouvons pas avancer, wale hatuwezi kwenda naye kumbele pamoja. La Bible dit, ils sont sortis du milieu de nous parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. Musema amen. Dit amen. Et à cause de ta femme, tu vas gronder un serviteur ma de Dieu. Ya bibi yako, unenda kumufokea mtumishi wa Mungu. Frère, nous sommes, je suis plus ancien que toi. Nduku mie, mine chuku, ce n'est pas que si je ne suis pas diacre que ça, tu es diacre, tu dois commencer à jouer avec nos femmes. Na shemashu, wako shemashu, unapashwa kucheza ba bibi yetu. Kama bilikuwa teketeke, shikama na wako diacre. Si c'était facile, mais tu aurais aussi été diacre, non? Enseignez votre famille à respecter l'ordre de l'église. Fundisha kanisa yako, votre famille. Fundisha jamaa yako. Enseignez votre famille. Fundisha jamaa yako iwe kuheshimia namna banesha kupanga bintu ku kanisa. Musema amen. Dit amen. Musema amen. Dit amen. Écoutez. Mushiki. Ça, ce n'est pas à discuter, c'est à appliquer. Ibi aina bia kubishana na bia pane, ni bia kutumikisha. C'est à exécuter. Ni ubitfanye paka vile. Dans une délivrance totale. Maubiri ufungulivo kubiote. Au paragraphe 78. Je vous ai dit que je ne peux pas tout dire. Hein? Et d'ailleurs, le temps est m'épuisé. Il va m'épuiser. Phrase 78, le prophète dit. Le prophète dit. Voici ce qu'il dit. Merci. Je pensais que vous êtes fâché. Eh bien, regardez. Muzuri mangalie. Ce que Dieu fait pour nous dans l'état où nous sommes. Kile Mungu anatufanishia mui. Qu'est-ce qu'il ferait si nous étions des mêmes cœurs et des mêmes accords? Alipaswa kufanya nini kama tulikubaliana roho moja? Le seul moyen pour nous d'y arriver. Namna moja tu yashe kufika. C'est d'unifier nos cœurs dans l'amour fraternel. Ni kuunganisha maroho yetu mu mapendo ya kindugu. D'obéir aux frères qui occupent des fonctions dans l'église. Kuti ule nduku anabeba kazi fulani mu kanisa. Lisez. C'est lire, lise. Mais là, dites amen. Ça, ça me semble amen. Ça, c'est à exécuter. Obéir. Écoutez, frère. Qui occupe des fonctions dans l'église. Aux frères, c'est au pluriel. Aux frères qui occupent des fonctions dans l'église. Maintenant, je vous pose une question. Quand vous désobéissez, en réalité, c'est à ce frère que vous avez désobéi ou bien c'est à William Branham. Kama unakatana kuti, ni ule nduku unakatana kuti. Unionesh. Au ni William Branham unakatana kuti. En réalité, on a qu'attendre que fonde qui le frère Branham anastère. En réalité, tu refuses de faire ce que frère Branham dit. Tu as nous le frère à reconduire ces ones de connaître y a pas. Parce que ce n'est pas ce frère là qui t'a demandé de m'obéir. Le frère Branham, tu as reconduire ces ma ones de fonde ni. C'est frère Branham qui t'a demandé. Maintenant, quand on tue le frère, si tu ne l'obéis pas, en réalité, où la outie a une le frère, ni frère Branham n'a où la outie. Celui que tu ne respectes pas, ce n'est pas frère Branham, mais c'est pas ce frère là, mais c'est frère Branham. Oh, frère Branham n'a pas parlé de lui-même. Nous Branham a choisi mes biais mounyewe. Il a parlé de la part. Anasema bia kutoka kwa Mungu. Maintenant, quand vous ne baissez pas William Branham, en réalité, vous ne baissez pas à qui? Muku katala kumuti William Branham, ni nani unakatala kuti? Non. Tu vois? Chibanta tuna na akidi. Nous, les humains, nous ne sommes pas intelligents. Nanjo lufutu kunakufu. Voilà pourquoi nous mourons.
Tu vas t'opposer à un diacre. Pour son compte. Non. Lui n'a pas eu pour son compte. Yeah, c'est Branham qui en a eu pour son compte. Branham, tu as kalamuka. Et c'est pas Branham qui en a eu pour son compte. Kalamuka. C'est Dieu qui a parlé par frère Branham qui en a eu pour son compte. Kalamuka. Mais l'homme lui ne comprend pas les choses. Il est en train de faire un tu vas en avoir pour ton corps. Quand tu vas te tenir devant Dieu, il te dit tous les jours, je t'avais donné un ordre, tu m'avais désobéi. Mais où est-ce que je peux faire ça, Seigneur? Monga apparaît devant toi. Ton diacre, il t'avait donné un ordre. Tu avais dit, pas que Monga. Il dit, mais Seigneur. Ça c'était Monga. Ulikuwa ni Monga huyu. Ce n'était pas toi. Haikuwa wewe Mungu hapana. À côté de Monga William Branham apparaît. Pembeni ya Monga William Branham anatokea. Moi j'ai désolé William Branham. Mimi nikatana kutii William Branham. Uriyase ni michezo. Tu pensais que c'était une blague ici Kange. Mufungule mashikio. Ouvrez grandement vos oreilles. Et ayez un bon discernement de l'esprit. Vous amen. Dites amen. Écoutez, il y avait une différence entre David derrière les brebis et David au trône royal. David c'était deux personnes différentes. Amen. David derrière les brebis. David au Mukongo Banyama. Ses grands frères pouvaient lui dire. Toi tu es toujours comme ça. Les choses ici. On est que calaka pas que vous toquez pas. Mais David au trône royal. David est pas qui tu calmes. Ses grands frères se prosternaient. Bakuboya qui baranza kukunjama. Monsieur Cheke, amen. Je n'entends pas amen. Écoutez, quand Dieu prend William Branham du milieu de nous, il en fait un chef. Il nous demande de l'honorer et de le respecter. Faites attention. C'est comme une femme qui porte, qui s'habille mal. On la convoite. Selon la Bible, elle a commis. Kufatana na sauti ya Mungu, vile bena mutamania ni bundumba busharati anafanya. Oh, dame dit au jour du jugement. Ndugu banama nasema shuku ya hukumu. Elle va avec une file des hommes derrière. Ule mwanamke atapangana na msululu wa banaume kumkongo. Avec qui elle s'est prostituée. Bale alitemana abo bundumba. Mais elle n'a jamais posé l'acte. Il est ça. Tendo inyewe ya kwenda kutembea na bale babuana shaifanyaka. Mais c'est par rapport à la parole. Lakini ni kufatana na sauti ya Mungu. Parce que c'est la parole qui nous gère. Njo sauti ya Mungu njo inatuongoza. Qui dit amen? Nani anasema amen? Écoutez, Mushiki, j'ai pas le temps de lire. Shina na saa kuisoma. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema. Quiconque s'oppose au diacre n'a pas raison. Ule wote eko na katala kufanya kile bashemasi banamonesha ashina na sheria. Non, peut-être vous pensez que c'est moi qui le dis. On le dit. Anasema ni mimi na bisema tubisome. C'est l'ordre 63. Allez lire à la maison. 73, 77, 79, 61. L'heure est déjà finie. Quiconque s'oppose au diacre n'a pas raison.
Ainsi dit William Branham. Joyeux William Branham anasema. Ainsi dit le Seigneur. Joyeux Bwana Mungu anasema. Et ils connaissent leur devoir parce que je leur en ai déjà parlé. Boba shemash banayua makazi yabo kufanya mapasho yabo njubi nesha kubaonesha ayo. Je leur ai parlé sur la courtoisie. Mire baonesha namna kupokelea bantu mzuri. Je leur ai parlé sur la gentillesse. Mire baonesha njuu ya kuya gentil na bantu. Parce que frère banam dit ils doivent être gentils. Nuko banama nasema banapasho kwa mzuri na bantu. Ils doivent avoir la courtoisie. Banapasho kupokelea. Et ils connaissent ce qu'ils doivent faire. Banayua makazi yabo kufanya. Je leur en ai parlé. Mire baonesha. Maintenant c'est à l'église que je donne ça. Kanisa njoni na ibapachia biyabo kufanya na biyo. Mishika muna shiki. Ezeba si vusume. Na lepa diye sasa ili abazaki na basa HSM. Mishika kusema na abu. Se konsele jaki na pali. Mpepa repete sa isi. Minesha kubaonesha, mishika zgubisema hapa tena. Nous avons fait des réunions avec eux deux fois. Tulifanya na abu mikusaniko mbiri ya mirefu sana. Pour leur montrer maintenant que vous avez dit akra. Voici ce que la parole dit, voici le message. Mwone kile sauti ya mungu nasema mwone ujumbe. Et eux aussi doivent appliquer l'ordre. Maintenant, à vous, je donne votre part. L'ordre de l'Église. Qui peut dire amen à ça? Écoutez, terminons juste ce qui le concerne ici, et peut-être on arrête. Écoutez. Ils seront la police de l'église. Ils assisteront en prélevant l'offrande locale. Ils surveilleront la conduite spirituelle de l'église. Ils surveilleront. Un diacre a le droit de te surveiller. Dites amen. Surveiller ta conduite spirituelle. Dans la police, il y a des enquêtes. Un policier, il est aussi formé pour faire les enquêtes. Vous aimez un diacre à l'écassé. Il a dit à un frère, je vois que ta vie n'est pas bonne. Tu as des femmes. Le diacre commence trop tôt le matin, il se lève. Il arrive tout proche du pasteur et il se poste. Le frère ne sait pas que le diacre le suit. Il a fait ça pendant longtemps. Un jour, ça a payé. Le frère sort. C'était déjà le soir, il était à la maison. Il était à Mangaribi, il était à Kunyumba. Et puis il a tout. Par hasard, il le croise. Allez, le diacre commence à le suivre derrière. Le frère regarde derrière, le diacre se cache. Il m'a donné, le frère rentre dans une parcelle. Et puis, paf. Une femme sort et ouvre la porte. Le diacre regarde. Frère Ndani. Le frère Ndani. Avant d'entrer, les bisous aux lèvres. Ndani. Il entre. Ferme la porte et le diacre vérifie à l'heure. En calculé, après 25 minutes. Après 25 minutes. Il va. Pam, tellement insisté. Il a beaucoup insisté. Et la femme sort. Bibi en a toka. Jack la nasuku mana bibi. One time direct. Kupata mo chance. Et il a trouvé le gaillard. Frère, où quoi happy? Frère, tu es où? Tif tif. Ça paye. Il n'arrive pas. Pourquoi? Oh non, c'est pas son travail. Ils surveilleront la conduite spirituelle de l'église.
en travaillant avec le pasteur, et l'un avec l'autre, sur les problèmes spirituels et les besoins des saints. Tu peux dire amen à ça. Ils seront prêts à tout temps. Assister les besoins de chaque saint qui a un fardeau, et un besoin de consultation spirituelle ou de bien-être général. Ils n'ont pas le droit d'agir sur aucun programme ou promotion sans un accord l'un avec l'autre et avec le pasteur ou avec des administrateurs si le programme considéré implique le fonds de l'église. Il sera responsable devant Dieu pour leur conduite et manière de servir selon la parole de Dieu. Ils n'auront aucune réunion entre eux sans que le pasteur ou le pasteur associé ne soit présent. Comme ils ont un président là, Frère Chey, il convoque la réunion de conseil. Nous avons réunion. Venez là. Pasteur Anapo, le pasteur n'est pas là. Pasteur associé Anapo, pasteur Kanku n'est pas là. Monsieur Mounafouani, vous faites quoi? Non, pasteur, ils sont assis là, il faut séjour ici le pasteur. Faut, pasteur Kanku, il pasteur Kanku séjour ici, il n'a pas le choix. Quand je faisais une réunion avec eux, je leur disais, ici nous ne sommes pas une, en coalition FCC et Cash. Comme moi et pasteur Kanku, nous sommes à deux. Vous êtes à dix. Alors moi et pasteur Kanku, moi je suis ITPS, pasteur Kanku, UNC, Cash. Vous dites FCC et nous sommes en coalition. Je leur disais, nous ne sommes pas en coalition. Parce que l'esprit du monde a toujours tendance à entrer dans l'église. C'est pourquoi ils n'auront aucune réunion entre eux sans que le pasteur ou le pasteur associé ne soit présent. Ça, ils le savent. Et vous voyez là, leur travail, c'est de s'occuper aussi des fardeaux des saints, comme prier pour les malades, comme donner de la nourriture. Pas tout le monde, mais prendre soin des nôtres qui sont les membres de l'église ici. Vous savez, nous avons un problème. Je vais terminer peut-être. Après ça, je termine. Je parle de l'ordre. Dans l'ordre, l'église prend soin des siens. Kanisa iko na isha mambo ya babake. Vrai ou faux? Aina vile. L'église prend soin. Kanisa iko na leta jibu ku mambo ya batakatifu ba mukanisa ile. Il y a beaucoup de choses qu'on pouvait dire, mais on n'en a pas le temps. Ku bintu ya mingi vile tuweza kusema hatuna na saa kusema. On le dira au fur et à mesure. Sa zingine mwenda mashuku tunaweza kubisema. Vous savez que ce n'est pas le travail du pasteur de donner la nourriture aux gens. Le pasteur donne la nourriture spirituelle pour l'âme. Quand vous venez me demander la nourriture là, ce n'est pas l'ordre. Vous empiétez. Frère Branham me dit. Donc Branham anasema. Frère Branham dit, donc Branham anasema, il dit, s'il y a des demandes d'aide, kama kuko, nourriture, kulomba biakuria, vêtements, mango, cela doit être adressé au diacre. Ya vile, banapasho konesha abyo, ba diacre. Ce n'est pas le travail du pasteur. Aina kaji ya pasteur ya kusaidia bantu na makuta, biakuria, manguo. On asema bien ça. Amen. C'est le travail de diacre. J'ai passé la nuit affamé. Va voir les diacres dans leur bureau. Oh, les enfants, l'école, oh, la maison à payer.
Ce n'est pas au bureau du pasteur. C'est le travail des diacres. Dans la Bible, c'est de là que vient le diaconat dans la Bible. La nourriture des saints. Les diacres. Il s'occupe de la nourriture. Tout ce qui concerne les demandes d'aide. Mambo yote ya kukusaidia nayo. Byakuria mangua kuvwala, kulipa nyumba loyer, batoto ku masomo, uone badiakra. Est-ce qu'ils seront payés? Ils ne sauront pas répondre à tous les besoins. Alors vous-même, voyez qu'est-ce que vous pouvez amener comme besoin auprès de Dieu. Je suis dans leur paraphe 11, merci pour la question. Il dit, nous sommes conscients que l'Église est responsable des siens, des membres de notre assemblée. Nous sommes entièrement responsables aussi longtemps que nous avons les moyens de subvenir à leurs besoins. Aussi longtemps que nous avons les moyens. S'il n'y a pas d'argent, mais il n'y en a pas, non? Non, mais les banyans, ça, il n'y a pas d'argent. Ils ont refusé. Ils ne t'ont pas refusé. Aussi longtemps que nous avons les moyens de subvenir à leurs besoins. Nous sommes responsables des nôtres. C'est-à-dire des membres réguliers qui sont fidèles au tabernacle, qui viennent et adorent avec nous. Nous sommes liés par le devoir envers eux. En tant que nos frères et sœurs qui ont fait leur preuve comme membres de cette assemblée, qui ont fait quoi? Qui ont fait leur preuve? Ce n'est pas tout le monde confondu. Non! Qui ont fait leur preuve. Les bonnes choses, ils sont avec nous. Les mauvaises choses, ils sont là, ils ne quittent pas. Quand ils parlent de nous, ils parlent en bien. Dans tous les programmes de l'Église, ils sont avec nous. Ma programme est à Kanisa, beko na shepa moya. Faisons ceci, ils sont là. Allons à tel endroit, on y va avec eux. Nous avons tel programme, ils sont là. Ils ont fait leur preuve. Ah, je veux entendre votre amen.
Et ce matin, je voudrais dire, bien que cette salle est remplie, mais tous ne sont pas nos propres membres ici qui ont fait leur preuve. Laissez-moi parler. Moi, je n'y sais, mais tous ici ne sont pas des gens qui ont fait leur preuve comme membres de cette assemblée. Aujourd'hui, il adore avec nous. Dimanche prochain, il sera à Rehoboth. Il joue maintenant qu'il y a attendu qu'au Rehoboth. Mercredi prochain, il sera à Lys. Nkazita, tu attendu qu'au Lys. Jeudi, il sera ici. Mukajine, anakuyap. Une semaine, vous ne le verrez pas. Juma moya analof. Donc, je suis la parole à tel endroit. Onu na fata sauti ya Mungu faji fulani mafundisho ya mzuri sana. Maintenant, quand il a un problème, comme maman n'a mufiki ya, il vient voir le diacre. Ana tokela ko bashema sekunde. Na citation. L'église prend soin des siens. Kanisa hiyo unasaidia baki. Ce ne sont pas des siens comme toi. Aina baki weye kameleon. Mon prophète dit, nabi wangu anasema, nos frères et sœurs, ndugu yetu na badala, qui ont fait wale banesha leur preuve. Bana tonisha sema bia kweli ni betu membre de cette assemblée. Ni betu ba member ba hii kanisa. Jaka la mushiki yoko. Jaka la ikute. Vous devez veiller à cette écriture. Hii anjiko hii. Muifate mzuri. Mtu anapotea. Quelqu'un il disparaît comme ça, vous ne savez pas il est allé où. Après il a un problème, il apparaît là furtivement. Frère, tu étais où tout ce temps? Ce genre-là de frères ne l'aidait pas. Vous voyez ça en aku. Faites comme si il n'est même pas là. Comment il a retourné? Attoque. Si il veut quitter l'église, de toute façon, depuis tout ce temps, il n'est pas là. Il n'est pas là. Vous allez craindre quoi? Branham dit. Branham anasema. Nos frères et sœurs qui ont fait leur preuve. Banatembe anasheye banatonesha sema ni betu. Comme membre de cette assemblée. Mungu anamubariki. Dieu le bénit. Vous tous vous voyez que notre frère est béni de Dieu. Comment vous verrez qu'il est toujours là? Le programme ya kanisa. Le programme de l'église. Dieu m'a béni. Anaweka. Mungu ananibariki. Anatosha ambo makuta. Anatupa. Il a seulement peu d'argent. Anenda. Il part s'associer là-bas. Anenda. Il part. Anenda patana wa association de frères moi robot. Il va s'associer avec les frères. Anenda kwenda mulisi ile mashoko. De Lys, il commence à aller à Lys pendant ces temps. Parce que associé de frères moi mulisi. Parce qu'ils sont associés avec les frères de Lys. Ou bien robot, ou bien robot. Dès que le peu d'argent qu'il a eu là s'effrite. Le pasteur Mbunda, il a un grand cœur, il aide beaucoup les frères. Il revient à la base. Quand Dieu t'avait béni, l'argent là, tu le distribues avec les autres, non? C'est à nous que tu amènes les problèmes. Il est écriture que quand tu vas chez Pinda ça l'église prend soin des siens. Cette écriture là il y a les gens frère l'église prend soin des siens. Ils l'ont déjà retenu comme une récitation. L'église prend soin des siens frère. Kanisa yuko naisha mambo ya ba membre baki. C'est quel membre? Ni membre waje.
qui avait ses preuves. Atuna na ba mingi. Ils ne sont pas nombreux ici. Alors, diacre, ça vous facilite la tâche. Diacre, il n'a mis ça ici. Toi, tu vois quelqu'un, lui, quand tu fais passer la corbeille, lui ne donne jamais d'offrande. Et nous, nous cotisons pour lui donner à lui quand il aura des problèmes. Ce que tu viens demander là, combien tu as toujours mis là-dedans? Ah, pasteur, n'a bien vu le terrain. Même ça, oui, ça aussi, ça compte. Déclaration perfectatatoire. Une déclaration attentatoire. Ce que tu viens souvent demander là, combien tu y mets? S'il faut donner, toi tu donnes 200 francs déchiquetés. Mais quand tu viens demander 100 000 francs. Pas que 100 000 francs, il y a capital. Non! Non. Branham ne nous a pas prêché des choses comme ça. Branham a fondé chez Bintu Biaville. C'est l'ordre. Je vais entendre votre amen. Les choses que le pasteur prêche, moi là, je quitte, je pars. On s'en fout. L'ordre. Utaratibu. Dites amen. Museme amen. Diacre, veillez sur cela. Le diacre mwangalishe mzuri hiki kintu. Pana tu no uyantokelele. Parle il vient l'église prend soin de sien. Kanisa yena uyantokelele l'église prend soin de sien. ONG. Surtout comme on devait se mettre au combien minute à Colombe. Je tout sais que ici là je vais faire une semaine. Là il est permanent pendant une semaine. Très spirituel. Elle a préparé demande. Il fait des préparatifs pour introduire la demande. Elle parle à Nakouya, il faut. On n'est pas à Diacre Moïse. Là, il vient là, il voit le Diacre Moïse. Diacre, c'est le ministre. Diacre, mon kokubari qui s'en a pour qu'il y a. Je me mets où? Comme ça, Jacques Moïse, il sera sûr qu'il l'avait vu, il lui a donné la place, il est permanent. Après une semaine. Qui chaque Mamoya? Jacques Moïse, j'ai un problème. Jacques Moïse, nous n'avons pas un bois. Moïse. Voleur, escroc. Est-ce que tu as fait des preuves? Ça sont nos devoirs. Vous êtes fâchés? L'ordre. L'ordre. Il y a tellement de choses qu'on peut dire sur l'ordre. Tellement de choses que ça pourra prendre des mois et des mois. Je vais me dépasser l'heure. Alors que dans l'ordre, il ne faut pas faire ça. Parce que dans l'ordre, frère Branham dit, raccourcissons nos sermons. C'est ça, c'est pour moi et mes collègues prédicateurs. Branham dit, raccourcissons nos prédications. Ah, Dieu te bénisse, frère Joël. C'est l'ordre. C'est à exécuter. Et j'ai déjà commencé à faire l'exercice. Vous avez vu que dans les deux semaines ici, j'ai fait l'exercice. Parce que pasteur quand vous me disiez, pasteur, oui, c'est toi qui as souvent commencé.
Je dis ça va, mais je n'ai pas de l'argent. Comme c'est moi qui commence par corriger. Alors moi-même je commence par Ça c'est pas pour vous, c'est pour nous qui prêchons. J'aimerais qu'un jour, parce que dimanche on commence la prédication à 10h juste. J'aimerais qu'un jour, quelqu'un qui vient ici à 11h30, il trouve que le culte est déjà fait. Tout ça c'est l'ordre. Qui peut dire amen à ça? On ne peut pas tout dire. Peut-être que vous pourrez aussi m'aider dans leur prédication pour glisser quelque chose sur l'ordre là-bas. Mais on ne peut pas tout dire. Tout ce que je voulais vous dire, dans notre absolu qui est l'ainsi dit le Seigneur, l'ordre de l'église est là-dedans. Amen. Amen. C'est à exécuter. Est-ce que vous avez la citation de l'unité? Vous l'avez trouvée? Okay. Mettez-moi cette citation et je termine avec ça. Mes collègues vont m'aider. Quand ils auront la possibilité de prêcher, ils pourront dire certaines choses sur l'ordre que je n'ai pas dit, que je n'ai pas mentionné. Mais écoutez ceci. Nous savons que nous commettons des erreurs. Mais vous ne devez pas regarder à cela. Est-ce que je peux d'abord entendre votre amen? Nous savons que nous commettons des erreurs. Mais vous ne devez pas regarder. Ce ne sont pas vos erreurs qui comptent, car vous en commettrez toujours. Mais vous voyez, ce qui compte, c'est d'obéir à ses règles. D'obéir à ce qu'il a dit. Je veux entendre votre amen. C'est ce qui compte. Écoutez la suite. Trébucher et tomber n'ont rien à voir avec cela. Un véritable et fidèle serviteur, s'il trébuche, il se relèvera. S'il chancelle, je le ramènerai directement sur le chemin. Aussi longtemps qu'il sera sur le chemin du devoir, aussi longtemps qu'il fait ses devoirs, écoutez la suite. Mais s'il est en dehors du chemin du devoir, s'il ne fait pas ses devoirs, s'il n'accomplit pas ses devoirs, Dieu n'a pas d'obligation envers lui qu'il commette des erreurs ou pas. Même s'il ne commet pas d'erreurs, mais s'il n'est pas sur le chemin du devoir, Dieu n'a pas d'obligation envers lui. Écoutez, c'est très important. Mais aussi longtemps qu'il est sur le chemin du devoir, Dieu a des obligations envers lui. Sachant qu'il n'est qu'un homme ou une femme qui peut commettre des erreurs. Mais comme il fait ses devoirs, il est pasteur, il fait ses devoirs. Il est pasteur associé, il fait ses devoirs. Il est diacre, il fait ses devoirs. Il est animateur, il fait ses devoirs. C'est un croyant, un membre d'église, il fait ses devoirs. Dieu a des obligations envers lui. Sachant que c'est un homme qui peut commettre des erreurs. Sachant que c'est une femme qui peut commettre des erreurs. Ces erreurs-là ne comptent pas. Amen. Tant qu'il est sur le chemin, Dieu te voit. Ah. Écoutez. Il a des obligations envers cette personne. Mungu eko na bila tamfanshia ule muntu aussi longtemps qu'elle est sur le chemin du devoir.
mashiku yote ile ule muntu voilà là où je voulais terminer. Qui peut dire amen à ça? Nanezi kusema amen. Dieu a des obligations. Eko na bintu bila tamfanchia ule muntu. Bénir cet homme là. Kumubariki. Prendre soin de cet homme là. Kumuchunga ule muntu. Aider cette personne là. Kumusaidia ule muntu. S'occuper des ennuis de cette personne-là. Kuisha matatizo ya ule muntu. Écoutez bien. Sikia mzuri. Vaincre les ennemis de cette personne-là. Kubashinda baadui ba ule muntu. Ce sont les obligations que tu as. Ni bintu bile Mungu anapaswa kufanya mbele ya ule muntu. Pour quelqu'un qui ne commet pas d'erreur. Njua muntu la shikoto yake. Mais pour quelqu'un qui est. Njua muntu ule eko. Sur le chemin tu devras. Pafashi ya kazi ile Mungu alimupachia. Il fait ses devoirs. Mungu arimupa. Qui peut dire amen à ça? C'est pourquoi vous voyez qu'Israël, malgré les mauvaises choses qu'ils avaient dans le camp, ils ont vaincu tous les ennemis jusqu'à la fin. Pourquoi? Ils étaient sur le chemin du démon. Et Dieu avait des obligations avec nous. Inclinons nos têtes et réfléchissons une minute là-dessus. Réfléchissons une minute là-dessus. Combien c'est important. Dieu, il a des obligations envers cette personne aussi longtemps qu'elle est sur le chemin du devoir. Il accomplit ses devoirs. Il fait ce que la parole dit. Anasema bile sauti ya Mungu inasema. Il exécute ce que la parole lui demande d'exécuter. Anafanya bile sauti ya Mungu inamulomba kufanya. La parole lui demande l'ordre, cet homme exécute l'ordre. Sauti ya Mungu inamwambia utaratibu, ule mtu anaitimiza ile utaratibu. Il accomplit ses devoirs. Anatimiza mapashwa yake. Ses erreurs ne comptent pas. Na kama yuko muile kazi yake, mankose la tafanya Mungu ashiangarie. Tant qu'il accomplit ses devoirs. Wakati ile yuko naifanya kazi Mungu alimupa. Tant qu'il fait ce que la parole dit qu'il doit faire. Wakati ile yuko nafanya bile sauti ya Mungu inasema. Yuko nafanya mapashwa yake. Il fait ses devoirs. Mapashwa le Mungu anamulomba ule mtu anafanya. Les devoirs que Dieu lui demande, cet homme l'exécute. Ma pache le mungu na pache le mungu ou le mungu te kuna foi. Le devoir que Dieu donne à cet homme, l'homme exécute cela. Sans se soucier ya kusema, je dois être comme un ange. Basi pa kwa kia sema mina pache kwa sa malaika wa shoku kotola. No. Apana. Dieu sait que vous êtes un homme. Mungu na sema kwa mungu binadamu. Dieu sait que vous êtes une femme. Mungu na sema kwa mwanamke. Il sait que vous êtes soumis aux erreurs. Na yeye sema mankosa utaifanya paka. Il n'est pas lié à vous par la vie que vous menez. Ashungane na weye kuile maisha unaishi. Erreur ou pas erreur. Mankosa au kushuka. Mais il est lié à vous. Lakini anaungana na weye. Sur base de ce qu'il vous a donné comme devoir à accomplir. Pakaji mapashwa ila nakupachia umutimizie. Et regarde ça. Na kukile njo kukile. Il regarde. Eko naangalia kukile. Tu accomplis les devoirs. Ukuna timiza mapashwa. Il est lié à toi. Njo pale Mungu anaungana na wewe. Il a des obligations envers toi. Na yeye kuna mapashwa kumbele yako. Là même si tu commets une erreur. Na mbile hata kama unakosea. Frère Branham dit ça ne compte pas. Ndugu Branham anasema mwashangalie Mungu kwa ile makosa yako. Ce qui compte, lakini ile Mungu anaangalia, c'est ce qu'il t'a dit de faire. Ni bile alikonesha kufanya. C'est à ça qu'il regarde. Njo kule yeye kunaangalia. Amen. Mais nous, lakini sheye, nous négligeons les devoirs. Tukuna sulla tunabeula mapasho Mungu anatupachia. Et nous voulons amener Dieu ailleurs. Ata vile tunapenda tumupeleke Mungu fashi ngine. Réfléchissez une minute. Fikiri hapa dakika moja.
Alors que je vais relire cette même citation. Pour que vous puissiez réfléchir. L'ordre de l'Église fait partie de la parole. Les devoirs à exécuter. Ce qu'il a dit. Nous savons que nous commettons des erreurs. Mais vous ne devez pas regarder à cela. Ce ne sont pas vos erreurs qui comptent. Car vous en commettrez toujours. Mais vous voyez ce qui compte, c'est d'obéir à ses règles. Obéir à ce qu'il a dit. Si vous a donné des devoirs, ce qui compte, c'est d'obéir à cela. C'est exécuter cela. Appliquer cela. Trébucher et tomber n'ont rien à voir avec cela. Un véritable fidèle serviteur, s'il trébuche, il se relèvera. S'il chancelle, Dieu le ramènera directement sur le chemin. Aussi longtemps qu'il sera sur le chemin du devoir. Mais s'il est en dehors du chemin du devoir, Dieu n'a pas d'obligation envers lui. S'il n'accomplit pas ses devoirs, Dieu n'a pas d'obligation envers lui. Réfléchissez. Mfikiri. Mais aussi longtemps qu'il est sur le chemin du devoir, Dieu a des obligations envers lui. Sachant qu'il n'est qu'un homme ou une femme. Il a des obligations envers cette personne aussi longtemps qu'elle est sur le chemin du devoir. Aussi longtemps que cet homme accomplit ses devoirs. Ce que Dieu lui a dit de faire. Il exécute cela. L'ordre de l'Église. Le pasteur associé exécute. Toute personne qui a un office dans l'Église exécute. Dieu a des obligations. Et chaque membre de l'Église, il connaît ses règles, ses devoirs. Il connaît ce que Dieu lui a dit de faire. Dans l'ordre de l'Église, comment il doit venir à l'Église? Comment il doit se préparer pour venir à l'Église? À quelle heure il doit arriver à l'Église? Comment il ne peut pas aller adorer ailleurs tant que les portes de son église sont ouvertes? C'est briser l'ordre de l'Église. Seigneur. Vous savez pourquoi quelquefois Dieu n'a pas des obligations envers nous? Vous avez compris. Je crois que s'il y a une chose, Frère Banama a fait une prière. C'est cette prière que j'aimerais que chacun de nous puisse faire à sa manière pendant quelques instants. Ni maombi binapenda kila mtu hapa aiombe mnamna yake wakati mwa mfupi. Faranam prie et il dit. Donc Faranam yo naomba na nasema. Aide-moi. Unisaidie Mungu. À terminer ces questions Dieu bien-aimé. Pate kuisha hii maulizo Mungu mpendwa. Je te prie de me donner de la force. Na kulomba unipatie nguvu. Afin que je sois en mesure d'accomplir mon devoir. Oh, je te prie de me donner de la force. Afin que je sois en mesure d'accomplir mon devoir. Veux-tu briser tes...
La force est dans le sang.